Alors, salut à vous. Dans la vidéo précédente, nous avions installé Unity. Et Unity avait installé pour nous Visual Studio. Mais si on avait dû le faire sans Unity, comment on aurait fait? L'idée, c'est d'aller sur le site web de Visual Studio Community 2022. Une fois qu'on fait ça, on va tomber sur le site de Microsoft qui nous permet de faire du C#. On va demander de télécharger le petit launcher de Microsoft, qui est ce truc-ci, comme ceci. On va le lancer et il va donc nous installer le Visual Studio Installer. Le Visual Studio Installer, lui, va nous permettre d'installer Microsoft Visual Studio Code. Donc ici, ça installe gentiment le petit installer. Et vous vous souvenez que ça avait pris énormément de temps d'installer tout ça. Ça va reprendre énormément de temps d'installer tout ça. Donc ici, l'idée, c'est qu'on est ici dans Installer. Cette fois-ci, on va installer que le truc de Unity pour voir si ça marche. Donc on va faire juste développement Unity, c'est tout. Et on va demander d'installer. Donc ça va nous prendre 9 Go. Ça va lancer le Studio Community 2022. Et ça va installer tout ça. Donc maintenant, c'est la partie où on va devoir attendre pas mal de temps pour que tout s'installe, ça se télécharge et que ça s'installe. Bon, vu que j'ai choisi que Unity, ça va peut-être prendre moins de temps, on va voir. Mais du fait que j'ai choisi que Unity, il y aura peut-être de temps en temps un bug ou l'autre de temps en temps par le manque de C++. Parce que installer C++ permet d'installer aussi des exécutables C++ qui va nous permettre de faire du code plus natif sur la machine, on va dire. Donc voilà, ça va marcher, mais il y a peut-être un moment donné où il faudrait que j'installe d'autres modules plus tard. A priori, pour Unity, ça ira. Ici, vous voyez qu'il est en train d'installer Microsoft Net 8.0. Il faut savoir que Unity, nous, on utilise une version de C# qui est, je crois que c'est la 4, ou un truc dans le genre, on n'est pas à la 8. Donc il y a plein de fonctionnalités de C# qu'on ne peut pas utiliser dans Unity, mais qu'on peut utiliser en C#. Donc ici, tout va s'installer, et une fois que ce sera installé, on va lancer une petite console, et on va faire une bête petite application console en C# pour dire bonjour à C#. Et donc, voilà. Ici, j'ai pas trop envie d'aller dans tous les sens, parce que si ça prend une bonne grosseur, comme la fois passée, ou une bonne grosse demi-heure, je préfère avoir un accéléré que je peux accélérer plus tard. Donc du coup, voilà, je vais un peu meubler. Donc revenez un peu plus loin dans la vidéo, une fois que scroller dans YouTube jusqu'à ce que cette fenêtre-ci disparaisse, parce que basiquement, jusqu'à ce que ça soit fini, on n'a pas grand-chose à faire. Non, mais je vous incite vraiment à passer à la suite, hein. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Tout. Manam. Ah, on approche de la fin. Donc, Visual Studio Community est installé. Donc, il m'a auto-lancé Visual Studio, donc tant mieux, on va aller voir ce que ça donne. Ici, il me demande de me connecter. La fois passée, je l'avais ignoré, mais cette fois-ci, je vais le faire. Il va me demander de me connecter sur un compte. Je vais en créer un parce que j'en ai pas pour Eloi Teaching. Donc c'est l'occasion d'en faire un. Voilà. On va dire qu'on veut en créer un. Si vous avez évidemment un compte Microsoft, utilisez votre compte Microsoft là plutôt. Eloi Teaching. Alors j'ai pas le bon clavier. Pop. Bon, c'est beige.
gmail.com. Bon, du coup, c'est Hotmail ici. HelloTeaching@hotmail.com. Suivant. Mot de passe. 1 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
Bon, et ben ça s'installe, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mam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 . Je vais aller lire mes mails en attendant. Ça finit bientôt de s'installer, 92%. C'est presque installé. Finalisation. Et c'est installé. Alors, maintenant que Visual Studio s'est installé et que on a du coup tous les composants pour faire du C#, on va pouvoir fermer l'installateur, lancer Visual Studio Code 2022. Voilà. C'est en train de se lancer. Voilà. Ici, on va pouvoir dire qu'on veut créer un nouveau projet. Créer un projet. Yop, ici. Voilà. On veut nous faire une application console en C#. Donc, on va application console en C#. Ici, suivant. On va l'appeler Nello World 1D. Et on va ASCII 1D. Voilà. Et on va l'installer. Alors, la version, c'est 8, c'est la dernière qui est prise en charge. N'utiliser l'instruction, oui, on va laisser ça comme ça. Voilà. Alors, j'ai pas regardé l'endroit où je l'ai stocké. Donc,
Je suppose qu'il va le stocker dans Document. J'aurais peut-être dû le stocker plus bas, mais c'est pas grave, ça va aller, ça va aller. Ça marche aussi. Et nous voilà dans Visual Studio. Donc ici, vous avez un environnement où vous allez pouvoir mettre du code. Vous avez un environnement où vous allez pouvoir voir le code que vous faites ici sur le côté. Et vous avez ici un petit exécuteur. Donc si je fais play, vous pouvez voir qu'il va écrire. Popolum. Il va écrire. Vas-y, tu peux le faire. Tadam! Hello world. Et puis il s'est arrêté. Donc il a joué le code qui est là-bas. Puis il s'est arrêté et il est parti. Alors nous, ce qu'on veut, c'est pas un classique Hello World, on veut un petit programme. Donc on va faire public. Classe. Programme. Alors on va aller chercher sur internet parce que hein, programme Hello C Sharp. Comme ceci. Parce que je me souviens de la nomenclature, mais bon, autant directement aller faire du copier-coller de la nomenclature qui est ici. Nomenclature, c'est la façon dont les choses sont nommées. Donc voilà, ça, ce qu'on avait en une ligne ici, c'était juste un truc pour faire vite fait une ligne de code, mais ça, c'est comment on commence généralement. Donc là, ça veut dire, on veut nous permettre de faire un programme qui dit bonjour à tout le monde. Donc console, c'est pour dire bah, vers la console de Windows, je veux envoyer un message ou en lire. Write line, ça veut dire j'écris une ligne qui sera la suivante, et ça, c'est ce qu'on appelle un string. Un string, c'est un tableau de caractères. Donc des caractères, c'est ceci. Char égale caractère égale. Voilà. Ceci, c'est un caractère. String, ceci, c'est un texte égale hello world. Comme ceci. Voilà. OK. Voilà. Donc on a un caractère et on a Hello World. Et si on les ajoute tous les deux ensemble, on peut faire ceci, ce qui s'appelle une concaténation. Caractère, comme ceci. Et on a du coup un Hello World espace A. Play. Il compile notre code et voilà, poum, on a Hello World espace A. Alors, vous allez me dire, on ne peut pas faire un jeu vidéo en console. Si, on peut faire des émuleurs, on peut faire un pendu, on peut faire une calculatrice, on peut faire plein de choses en console. Et on peut faire un truc que j'ai une idée, c'est de faire un jeu à une dimension. Je vous donne un exemple. On fait un tableau de caractères. Char, ça veut dire qu'on a un tableau, donc un ensemble de caractères. Char, one world, égale. Et on va faire un nouveau tableau. Et alors, on va pas l'initialiser, on va lui dire juste que il a une longueur, une zone dans laquelle qu'on va réserver de 100. Par exemple, comme ceci. Voilà. Et cette zone de 100, on va la mettre avec des petits tirets. For, chacun, for each. For each, c'est-à-dire pour chacun des char c in world. Voilà. Donc pour chacun des caractères qui seront dans le world, nous allons faire une action. Et cette action, c'est de dire que c'est que char. Ah oui, mais ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Il faut que je le fasse autrement. For int i égale 0. Voilà. Donc ça, l'autocomplétion, c'est ce qui s'auto-écrit, m'a proposé ce que je savais que je voulais écrire. Donc on dit, j'ai une petite variable. Une variable, c'est une sorte de zone mémoire qui vaudra 0. Je vais lui ajouter add valeur en permanence jusqu'à ce que la condition de la variable est plus petite que la longueur de mon tableau soit vrai, et là je sortirai de ces conditions. Donc ici, grâce à ça me permet de faire ceci. World crochet i égale ceci. Voilà. Hop, hop, hop. Attention. Comme ceci. Voilà. Donc ici, on a un petit programme qui démarre, nous affiche le Hello World. Puis il fait une petite zone mémoire de 100 où il va déposer des petits caractères comme ça. Et je vais l'initialiser avec underscore. On va faire play. Top. Et il n'a rien affiché. Bah oui.
Parce que je lui ai mis une zone mémoire où j'ai mis tout ça, mais je ne l'ai pas demandé de l'afficher. On va faire système. Point console. Point WriteLine égale. Et on va afficher world comme ceci. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? A priori, il va afficher pas ce qu'on veut. Ici, ce qu'il va afficher, c'est. Il l'a fait quand même pour nous. Tadam! On a notre magnifique world qui est affiché. Alors, normalement, ce que j'aurais dû faire, c'est que j'aurais dû faire ceci. Join. Pop-up. World. To array. C'est un array, donc comme ceci. J'aurais dû lui dire normalement, écoute, tu vas joindre tous ces caractères qui sont là-bas ensemble pour pouvoir les afficher. Parce que ici, il a compris que un tableau, ça s'affichait l'un derrière l'autre, donc tant mieux. Mais sinon, j'aurais dû écrire ceci. Hop, hop, hop. Play. Alors là, vous allez voir qu'on a la même chose, mais avec des espaces au milieu. Tadam! Bon, ici, il ne nous faut pas l'espace, donc on va le retirer. Ce qui va se passer, c'est qu'il nous faut un petit héros. Et cet héros, il faut qu'il soit quelque part dans la carte. Donc on va faire char player égal. Et on va le mettre un petit rond, comme ceci. Ça, c'est notre magnifique joueur. Maintenant, ce joueur-là, il faut qu'il ait une position dans le monde. Donc on va faire int player position égale 50. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre boucle. On va faire while true pour dire en permanence. Voilà. Dans notre while true, on va dire que on va trade, sleep, on va attendre toutes les secondes. Et chaque seconde, on va afficher le jeu. D'accord? Alors, plutôt que de faire un copier-coller de ça. D'accord? Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va faire une méthode. D'accord? Et cette méthode, ça va être ceci. Afficher display world with player. Comme ceci. Voilà. Et on va lui donner hop, ce que c'est un player. Ouais, mais ça va être compliqué parce que du coup ça va pas être un bon exemple. C'est pas grave. On va le faire manuellement. On va copier ça. Donc voilà, on affiche le monde. Mais ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire if i égale à notre player position, c'est-à-dire est-ce que l'index est le même que la position de notre joueur? À ce moment-là, world crochet i égale player. Voilà. Else, on affiche le monde. Sauvegarder. Hop, hop, hop. Et ici, qu'est-ce qu'il fait? Ça n'a pas marché? Ah oui, on a oublié de l'afficher. Voilà. On affiche, on attend. Voilà. Hop, hop, hop. Et voilà notre magnifique monde avec notre joueur. Alors, le truc, c'est que il faudrait pouvoir le bouger, le joueur. Alors, là, on a plusieurs choix. On a, par exemple, le fait de faire système.console read key. Voilà. Et comment on fait? Alors, du coup, là, c'est la question. C'est quand je ne sais pas quelque chose, je vais chercher sur Google. Mais vu que Google est beaucoup plus lent que ChatGPT, j'ai tendance à aller voir sur ChatGPT puis sur Google. Et là, il y a un truc que je ne me suis jamais posé comme question, c'est est-ce qu'on peut lire les touches dans une console? Donc, se connecter à ChatGPT. On va se connecter avec mon compte Hello Teaching. Voilà. Et on va lui dire how in C sharp console read keyboard arrows
Voilà. Donc, read key, ta 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 ta. Console write, true, pap pap pap. On demande de lire la clé et puis on vérifie que la console key est égale à up, down, right, ta 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 ta. Ok. Donc, nous, ce qu'il va nous falloir, c'est ça, mais il va nous falloir la version un peu plus allégée. Donc, ici, hop, on va retirer ça. Voilà. Donc, il nous dit, on lit la console. On intercepte la clé. Donc ici, si on met son curseur, on a de la faute. Obtain the next character of function key of the user. Press key to obtain display on the cursor. Ici, la clé, on dit bah tu me la mets là-bas bah, dans le switch. L'information ici. Key, c'est la clé qui a été touchée. Elle fait partie de ce qu'on appelle un énumérateur. C'est une liste de trucs qu'on peut toucher. Et ici, c'est up, down, left, right. Nous, ce qui va se passer, c'est que si c'est up, on fait rien pour le moment, mais on fera des choses après. Si c'est down, on fait rien pour le moment. Mais par contre, si c'est gauche, on va dire que le player index va retirer une valeur. Voilà. Si c'est droite, il va ajouter une valeur. Voilà. Et si c'est escape, ça va quitter le jeu. Et donc ça, c'est exit console.exit quit. Application. Je sais plus comment on fait pour faire quit. Oh, to exit console again. Je crois que c'est quit, mais environnement.exit. Hop. Voilà. Donc s'il pousse sur Escape, on quitte le jeu. Sauvegarder. Voilà. Et s'il n'y a rien, on affiche la touche. Ici, hop, je pousse sur la gauche. Je vais à gauche. Et je pousse sur la droite. Alors vous voyez qu'on a un petit problème. Il va quand même à droite. Mon avis, c'est parce qu'on n'a pas, on a, il a lu la touche trop de fois. Left arrow, right arrow. Alors pour débugger, on va faire ceci. Hop là. Voilà. Play. Là, il affiche rien. Je vais à droite. Je vais à droite. Je laisse enfoncer la droite. Je relâche. Alors, le problème, c'est que il retient en mémoire l'entièreté des touches qui a été envoyée, ce qui n'est pas idéal. Vous voyez, c'est bof bof. Est-ce qu'il y a moyen de intercept determine when the display press key on the console? Object bitwise. Je crois que je dois le retirer. False. Pas sûr que ce soit ça, mais. Piop. Voilà, je relâche. Non, ça le fait quand toujours. Alors, une autre solution. Parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est qu'ici, il reçoit l'événement de la clé. Il la fait passer là-dedans. Il passe, il attend une seconde. Il revient ici. Et en fait, il a toujours l'événement précédent dedans. Ce qui n'est pas idéal. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire nativement. Je vais faire. Parce que ici, pour du jeu vidéo, ça va être un peu dur sans ça. Do the same, but with. User 32 natif read left right arrow. En gros, ce qui se passe, c'est que vu qu'on est sur Windows, on peut se permettre d'essayer d'aller chercher nativement le code de Windows. Et dans Windows, il y a ce qu'on appelle le user 32. User 32, c'est un truc qui va nous permettre de demander des choses natives à Windows en disant bah, utilise la DLL et va discuter à user 32 qui est un truc de Windows.
prends-moi la clé qui est là-bas et donne-moi son état. Donc du coup, on va copier cette partie-là dans notre programme. Ici. Voilà. Donc ça, c'est l'ID, la clé de gauche, et ça, c'est l'ID, la clé de droite. Et ça, c'est une méthode qui va nous permettre d'avoir la valeur de l'ID. Ici, il nous dit, bah, on va demander si la valeur de cet ID est inférieur à 0. Si elle est inférieure à 0, every is pressed. Apparemment, ça veut dire qu'elle est pressée. Ok. On va essayer, hein. Comme ceci. Ça m'étonnerait que ça marche. On sait jamais. Alors, on va prendre ceci, le mettre en commentaire, casser, contrôle K, contrôle C. Voilà, on va copier ceci ici. S'il est poussé sur gauche, on va à gauche. Si non, il va à droite. Voilà. On fait play. Hop, hop, hop. On va diminuer un petit peu le temps pour le mettre à 50 millisecondes. 500 millisecondes. Et on va essayer de voir si ça va bien marcher. Hop, hop. Donc, gauche. Droite, donc la gauche elle est en français, la droite elle est en français, rien n'est en français. Donc là pour le moment ça marche. Par contre, du coup, on a oublié notre player index comme ceci. Gauche c'est moins 1. Voilà. Player position plus 1. Voilà. On sauvegarde. On fait play. Hop là. Et tadam, on va à gauche. On va à droite. Je relâche. Et nous voilà dans un jeu vidéo. Yop, yop, yop. Mon Dieu. Tout, 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 tout. Alors, maintenant, ce qu'il faut, c'est des petits ennemis pour pouvoir les affronter. Donc, on va créer un ennemi, on va en créer déjà un, et ce sera déjà bien. Donc, un ennemi. Le problème, c'est que ici, vous voyez que ça commence à être un peu le bordel. On va vite devoir faire ce qu'on appelle des classes pour ranger tout ça. Donc, pour le moment, on va pas le faire, on va juste faire un ennemi. INT, ennemi, ennemi, position, égale 0. Voilà, moins 1. Ok, if enemy position, on va faire plutôt ceci comme cela. Vol, is enemy dead, égal à enemy position, égal à moins 1. Inférieur à 0. Donc, en gros, si l'index de l'ennemi est inférieur à 0, il n'est pas dans le tableau. S'il n'est pas dans le tableau, c'est qu'il est mort. Vu qu'il est mort, on va dire que if his enemy est dead, à ce moment-là, hop, on va dire que son index enemy position égale à 0. Alors, ce serait bien de le faire apparaître soit d'un côté, soit de l'autre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire if random, random r égale new random, ceci, r.next, voilà. Et alors, si on met son curseur sur next, on va savoir ce qu'il va nous donner. Un entier. Hop, hop. On va dire de 0 à 100. Voilà. Hop. S'il est inférieur, if, si, int, random. Random est inférieur à
50. À ce moment-là, la valeur de notre ennemi va être 0. Sinon, elle va être de la taille de notre tableau de caractère moins 1. Donc, world point length moins 1. Comme ceci. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de dire si l'ennemi est mort, ce qui est le cas, on va le faire apparaître. Spawn enemy. Voilà. Bon, maintenant, ce qui se passe, c'est notre ennemi, s'il est en vie, faut le faire aller vers le joueur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire if position de l'ennemi du joueur est inférieure à l'ennemi, comme ceci. Donc, attends, si l'ennemi est inférieur au joueur, donc à gauche, on veut le faire passer vers la droite. Donc, on va faire ennemi plus plus. Si jamais notre ennemi il est à droite, c'est-à-dire que l'ennemi, hop, le joueur est inférieur à l'ennemi position, on veut le faire aller vers la gauche. Comme ceci. Moins moins, ça veut dire moins égale 1. Voilà. Donc là, normalement, on devrait avoir déjà un petit jeu. On ne peut pas tuer l'ennemi, mais on peut avoir, on a un petit jeu. Ici, on commence. Voilà. Et on ne voit pas l'ennemi. Alors, pourquoi on ne voit pas l'ennemi? Ben parce qu'en fait, il est présent, mais il n'est pas affiché. Ici, on va faire char ennemi égale ceci. Ça, c'est notre magnifique ennemi. Et ici, du coup, on va lui dire ben, si if i égale à ennemi position, voilà, hop, on va dire que world crochet i est égal, hop, 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 à ennemi. Caractère sauvegardé. On sauvegarde comme ceci. Voilà, on va faire play. Voilà. Alors, je bouge mon joueur. Ah, on voit que mon bougeur, il est plus là. Je sais plus. Ah oui. Pourquoi est-ce qu'il est plus là? Si. I égale la position, j'affiche le joueur. Si I égale à demi position, c'est l'ennemi. Né, inférieur, né. A priori, ça aurait dû marcher. Pourquoi ça n'a pas marché? Chez I égale ça. D'accord qu'ils n'ont pas la même position, donc ça aurait dû marcher. Ah! Je sais pourquoi. C'est parce que j'ai mis else ici, c'est if else. Si c'est un joueur, on affiche le joueur. Si c'est un ennemi, on affiche le joueur. L'ennemi. Et d'ailleurs, on va le mettre dans l'autre sens. Que si l'ennemi il est par-dessus le joueur, on doit afficher l'ennemi pour dire que le joueur est mort. Sinon, on affiche le joueur. Sinon, on affiche le monde. Voilà. Si jamais il nous reste une chose, c'est. Si jamais, et du coup ça on va pouvoir le mettre derrière, if enemy player enemy position est égal à player, à ce moment-là, system.console.WriteLine, on va afficher game over. Game over. Comme ceci. Voilà. Et on va break. Break, ça veut dire casse la boucle dans laquelle je me situe. Et la boucle dans laquelle on se situe, c'est la while true qui est ici. Et donc, du coup, le jeu va casser. Et il va sortir de la console. On va faire play. Voilà. Donc, on a notre joueur. Il va de gauche à droite. Notre ennemi, il est en train d'arriver vers nous. Donc, on va aller lui dire bonjour. Non, ne viens pas vers moi. Et pouf, game over. Il m'a touché, j'ai perdu.
Reste plus qu'à savoir me défendre et on a un jeu. Alors, comment est-ce qu'on va se défendre? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que si la touche du d'espace. Hop, hop. VK Space. Alors, du coup, pour avoir le VK Space, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ça. On va dans le chat GPT. Et on lui dit complete this for space all around keypad. Voilà. Et il va normalement aller me les chercher moi-même. Alors je pourrais aller chercher dans la doc, je sais où le trouver. J'ai l'habitude de ces trucs-là. Mais ici je lui laisse compléter parce que c'est quand même plus simple. Vous voyez qu'il est allé chercher directement les bons numéros. Ici, on va pouvoir faire ceci et vérifier qu'il fonctionne. Nous, ce qu'on va devoir utiliser, c'est Space ou VKDorm. Ici, on va dire... Yop, yop, yop. Ici, on va dire que notre joueur attaque range égale 2, 3. On va dire qu'il peut attaquer à 3 de range. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que ici dans la boucle, if, et alors ici, il faut dire is player attacking égal. Et du coup, on va aller chercher ici ce petit truc-ci. On va peut-être plus le mettre derrière du coup. Non, on va laisser là. Yep, 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 yep. On va prendre ceci. Vous voyez que normalement le code a de l'importance, donc en fonction de l'endroit où je vais le mettre, ça a de l'importance sur le jeu. Si je le mets derrière ou devant, ça va changer des conditions pour le joueur. Voilà. Égal, point virgule. Ici on dit, on a une petite zone mémoire is attacking. Qui dit est-ce que le joueur est en train d'enfoncer sa touche. S'il est en train d'attaquer, à ce moment-là, on va vérifier une condition. If enemy position moins player position. Voilà, donc ça va nous donner la distance des deux. Matf mat absolu. Pour retirer le signe négatif. Là, on dit ennemi position moins celle du joueur. Donc, on va voir la distance entre le joueur et sa position. D'accord ? Maintenant, on va dire si elle est inférieure à attack range, inférieure ou égale à attack range, à ce moment-là, ça veut dire qu'il peut tuer l'ennemi. Donc, il va dire hop, is ennemi position égale à moins 1. Voilà. Donc ici, basiquement, si le joueur est en train d'attaquer, à ce moment-là, il va pouvoir. On va vérifier qu'il est dans la zone de l'ennemi, et si oui, il va pouvoir le tuer. On sauvegarde, on va faire les jeux un peu plus vite. Alors vous voyez que c'est chiant de changer ici, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ceci. Voilà, ici, on va mettre float game int game speed in millisecondes. Seconde. Quel 300. Je vais mettre MS parce que je sais pas comment on écrit millisecondes. Hop hop hop. C'est pas très régulier de faire ce que j'ai à faire là, mais tant pis. Hop hop hop. On va mettre ça ici, comme ça on n'est pas obligé de le changer en permanence ici. Voilà, on a sauvegardé. Tant que c'est trop, pop, 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 on va faire play, on va essayer de voir si ça marche. Donc, ici, le jeu débute. Je viens pas trop loin de mon ennemi. Je pousse sur espace pour le tuer. Ah, j'ai perdu. Donc, apparemment, ça n'a pas marché. If player... Ah merde, j'ai oublié de... VK space ou soit space
Ou, ça se dire ou, VK down. Parce qu'on a ici pris le down. Ok, on refait play. Voilà. On va aller vers notre ennemi. On pousse sur space. Et je l'ai tué. Le truc, c'est que c'est trop facile pour moi parce que ici, j'ai pas de conditions d'utilisation. Donc, en gros, ici, je peux l'utiliser tant que je veux. Je peux laisser enfoncer et je vais toujours le tuer. C'est pas pratique. C'est un peu de la triche. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que si jamais c'est enfoncé, je peux plus l'utiliser pendant un certain temps. Ici, la portée, déjà, je vais la mettre à 5 pour avoir un peu plus de chance. INT, cool down. Donc refroidissement, que ça veut dire en anglais, de 4. Voilà. INT, cool down, tracker, égale 0. Ici, cool down, ça veut dire refroidissement, et tracker, c'est l'endroit où il en est. Ici, on va dire que si le joueur est en train d'attaquer, à ce moment-là, cool down tracker devient cool down. Donc en gros, on ne pourra plus l'utiliser. Voilà. Et si cooldown down tracker est supérieur à 0, est inférieur ou égal à 0, on peut attaquer. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un petit changement ici. Notre cooldown, il est là. Donc en gros, si le joueur attaque, le cooldown se met à avoir un numéro. Et le cooldown va descendre à chaque tour. Donc ici, on va faire cooldown tracker moins 1. Donc à chacun des tours, on va diminuer le cooldown pour qu'il puisse réattaquer. Donc ici, il faut faire gaffe de ne pas cliquer en permanence du coup. Voilà, si le cooldown est inférieur à 0, on peut attaquer. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est de dire ceci, c'est qu'il n'attaquera, on ne remettra le cooldown que s'il avait le droit d'attaquer, comme ça lui laisse un peu plus de chance de survie, de survivre. Pom pom pom, on est d'accord. Pop pop pop. Pour débugger, on va faire ceci. Right line, attack. Sauvegarder. Voilà, on le retirera après. Ok, voilà. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ceci. À la place de joueur, ici, on va mettre player et player with cool down. Player attacking. Chapeau haut. Yop, yop, yop. Et ici, on va mettre pop, pop, pop. Comme ceci. Voilà. Je cherchais un O avec un point dedans, mais je ne sais pas si je vais le trouver. Voilà. Donc, pop, pop, pop. Is attacking. Hop. Notre joueur ici. If is attacking, si le joueur est en train d'attaquer, à ce moment-là, on affiche hop hop hop. Si jamais il est en train d'attaquer, on va afficher player attacking comme ceci. Player is attacking. Voilà. Si il est au cooldown, on va afficher avec le cooldown. Sinon, on va afficher le joueur. Alors, ce qui se passe, c'est que du coup, on va voir quand j'attaque, même quand j'ai mon cooldown, ce qui n'est pas très efficace. Le problème, c'est que si je fais pas ça, on risque de ne pas voir à cause du cooldown. Donc, on va laisser ça comme ça. On va faire play. Voilà. Donc, yop. On a notre magnifique joueur. Je clique sur espace.
Et voilà, j'ai attaqué. Et là, j'ai normalement mon cooldown. Et il est pas là le cooldown? Donc ici, j'attaque en permanence. Hop, hop, hop. On voit que j'attaque alors que... Voilà, je l'ai tué. On va mettre un cooldown un peu plus long. Cooldown de... 10, pour être sûr qu'on n'ait pas beaucoup le choix. La range de 5, on va la mettre à 8. On va la mettre à 20. Voilà. Hop, hop, hop. Sauvegarder. Et alors, ce qui m'étonne, c'est que du coup, on n'a pas le petit truc avec le chapeau là-bas. Donc, je vais l'appeler. On va le changer, on va mettre petit O. Bon, petit O, on va pas voir la différence. Comme ceci. Sauvegarder, cooldown. Si le joueur est en train d'attaquer. C'est-à-dire que c'est enfoncé. À ce moment-là, on affiche le player en train d'attaquer. Sinon. Ah, c'est parce qu'ici, je me suis planté. Cool down tracker est supérieur à 0. On affiche notre fameux petit O. Désolé, j'essaye de... Voilà. Donc on a le PO avec les petits points si notre joueur est en cooldown. Ici, on a notre joueur. On peut le déplacer. Je fais une attaque. Et je suis en cooldown. Donc ici, il faut que je survive. Voilà, je peux réattaquer. Je reviens vers lui. Hop là! Haha! Je t'ai abattu! Hop là! Et voilà! On a un magnifique jeu en version console, d'un petit jeu de combat où il faut réussir à survivre à des ennemis qui vous attaquent. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire grossir le jeu en faisant apparaître plus d'ennemis du côté gauche et du côté droit. Et on aura un jeu vidéo. Par contre, ce qui m'énerve un petit peu, c'est que je me suis gouré sur le random. On va essayer de voir ce qui s'est passé. RINT, pop pop pop, max next 0 à 100, s'il est inférieur à 50, fait 0, sinon fait wow moins 1, ennemi position égale à ça, s'il est mort, ma, next valeur égale à ça, entre ça et ça, min max, random, random inférieur à ça, 0. Ce qui est, j'aurais pas de chance et qui serait à chaque fois apparu à gauche. Non, pas possible ça. R seed. On va mettre ici, il faut une seed. Hop, hop, hop. Une seed, c'est un truc qui permet de dire que notre valeur est aléatoire. DateTime.now.seconde. Selon la seconde, ça va changer ici la seed. Total. Il n'y a pas total seconde? Non. Seconde. Peut-être milliseconde, du coup, c'est peut-être meilleur. Pour être sûr d'avoir une valeur qui est vraiment aléatoire. Enfin, semi-aléatoire. Sauvegarder. Play. Voilà. On va aller abattre notre joueur. Et voilà, il est apparu de l'autre côté. Hop là. Ouh, je me suis raté. Oh. Alors, mon ennemi, là, je peux le fuir en permanence, ce qui est un peu trop facile. Du coup, on va mettre un petit ennemi speed. Ennemi speed égal à 3. C'est peut-être beaucoup, 3. On va essayer, hein. Voilà, et en fait ici, mon ennemi speed, ennemi dead, ennemi position,
Voilà, on va dire que ici c'est plus comme ceci, mais c'est plus hop 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 enemy speed. Speed. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est que si maintenant mon ennemi speed, if ennemi speed et ennemi position est supérieur à player ou égal ennemi position est supérieur ou égal à player position, ici, ah bah, ça veut dire que le joueur est mort. Player is suppose dead. False. Hop. Voilà. Cal true. Et ici, si jamais on va de gauche à droite, l'ennemi est à gauche, il va vers la droite. Donc c'est ici qu'on aurait dû faire ça. Et si s'il va de là vers là-bas, c'est si ennemi position est inférieur ou égal. Donc si ennemi position est inférieur ou égal à player, à ce moment-là, il est supposément mort. Donc, on va aller dans notre game over et on va dire si la position du joueur est l'ennemi égal ou si quelqu'un a décidé de dire qu'il était mort. Dans le code, on sauvegarde, on fait play. Papapam. Voilà. Hop, je le tue. Je vais me laisser me faire tuer. Hop là. Vous voyez qu'ici, il se déplace de 3 cases. Ici, il s'est déplacé 2-3 cases et il est tombé juste devant moi. Ou dessus moi. Comment ça se fait que je suis mort là? Yop, yop, yop. Voilà. Alors, juste pour que ce soit vraiment flagrant, on va lui donner une vitesse de 10. Ta 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 ta. Enemy speed égale 10. C'est là que vous voyez que on arrive vite dans une situation où on a besoin d'avoir des orientés objets, c'est-à-dire des petites cases ici où on va pouvoir stocker du code qui est spécifique à mon ennemi, spécifique à mon joueur. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'orienté objet. Et donc l'orienté objet, c'est ce qu'on verra dans le cours de C# plus tard dans la formation. Pam 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 pam. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu changer la donne. Faire ennemi position égale hop comme ceci plutôt que de lui dire qu'il est mort, c'est juste pour que comme ça l'icône soit sur mon joueur à la place de mon joueur quand on a le rendu final. Voilà, et du coup, lui, le rendu final, on va l'afficher après comme ceci. On va l'afficher après pour qu'on puisse avoir un dernier rendu du monde avant d'avoir le game over. On va faire play. Voilà, donc là normalement il devrait avancer super vite mon ennemi. Hop, hop. Et voilà, je me suis fait descendre. Bon, il avance un petit peu trop vite. Et vous voyez qu'il m'a remplacé. Pouf. Bon, 10, c'est vite, c'est rapide. On va le mettre, hop, 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 à une vitesse de 5, sachant que ma range sera de 11. Comme ça, j'ai deux frames pour pouvoir y arriver. Voilà, le game speed, on va le diminuer encore. Game speed. Caractère, hello world. Game speed sera de 100. Hop, hop, hop. 100, c'est rapide. C'est trop rapide. Yop, yop, yop. On va le laisser à 300. Mais par contre, ce qui m'ennuie, c'est que je crois que il y a quelque chose qui attend, genre celui-là qu'il faut que je retire.
Parce que du coup, lui, il attend qu'on touche sur une touche, mais on ne doit pas attendre de toucher sur une touche dans le concept qu'on fait maintenant, vu qu'on écoute à la touche. Voilà. Hop là, je l'ai tué, ça au cooldown. Ah, il m'a eu. Hop hop hop. On va recommencer. Voilà, je l'ai tué. Ouh, il avance vite, il avance vite. Bon, voilà. C'est pas moyen de le gagner, donc on va diminuer le cooldown. Ça, c'est ce qu'on appelle tweaker un jeu vidéo. C'est trouver les bonnes valeurs pour que le jeu soit marrant. Et ça, ça prend un temps de dingue. C'est le métier d'un testeur de jeux vidéo, ici. C'est de devoir tester le jeu, vérifier, discuter avec le développeur pour savoir lesquelles valeurs sont les meilleures. Bon, ici, le problème, c'est que ça redémarre à chaque fois. Ce que je propose, c'est de ne plus quitter le jeu, mais de simplement relancer la boucle. Alors, comment on va pouvoir relancer la boucle? C'est long, parce qu'il faut réinitialiser les valeurs, etc., etc. Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire ceci. Bol. Game. Need. While true. Comme ceci. Je suis pas sûr que ça va marcher, mais on va essayer. Ça devrait normalement savoir marcher. Voilà. On prend le jeu, on le met dans une boucle while true, qui veut dire à l'infini, pour toujours. Voilà. Pour toujours, on joue le jeu. Ici, il arrive, il joue le jeu. Il est ici. Si jamais l'ennemi tue le joueur, il casse la boucle. Du coup, il va casser quelle boucle? Pas toutes les boucles. Il va casser cette boucle-là. Du coup, en tombant sur cette boucle-là, il va retourner dans celle qui est au-dessus, celle-là, et ça devrait recommencer le jeu, avec un peu de bol. On va essayer. Voilà, voilà. J'ai mon jeu. Je tue l'ennemi, je l'ai eu. Ah non, il m'a eu. Là, c'est moi qui l'ai eu. Je l'ai eu. Du coup, maintenant, ce qui serait cool, c'est d'avoir un compteur. Comment on fait pour afficher le score? On vient ici, INT, current score, voilà, INT, best score, voilà. Donc on a notre meilleur score qui est là et le best score qui est là. On va le mettre à 0, comme ceci, voilà. Si jamais l'ennemi est tué, on va augmenter le score de 1. Donc, où est-ce qu'on avait tué l'ennemi? Attaque. L'ennemi position. Is dead. On avait mis dead dans notre attaque, qui est le truc de range. Vous voyez que le code devient vite dégueu. Ici, le code est dégueu. Voilà. Ici, ça veut dire que l'ennemi est mort. Donc on va dire que score, voilà, plus pour dire qu'on rajoute 1. Si current score est supérieur à best score, à ce moment-là, best score égale current score. Tadam! On sauvegarde, on fait play. Voilà. Ah oui, on a oublié de l'afficher le score du coup. Quand tu attaques, mon petit personnage, quand tu attaques, tu vas afficher. Alors ici, on a plusieurs manières de le faire. Une manière qui fonctionne assez bien, c'est de mettre, je crois que c'est ceci, pour dire qu'on veut mettre quelque chose dedans.
Et ici, on va mettre current score vs base score attacked. Best score. Voilà. Donc on sait qu'on vient d'attaquer et on affiche le score et le meilleur score. Backslash n. Sauvegarder. Backslash n, ça veut dire retour à la ligne. On va voir ce que ça donne. Voilà, on a notre magnifique player. Hop là. On est mort. On l'a tué. On l'a tué. On l'a pas tué, donc je me suis fait descendre. On l'a tué, mais je suis toujours pas au meilleur score. 2. Je me suis fait tuer. 1. 1. Ah, je me suis fait tuer. Ah. Allez, je vais y arriver, je vais y arriver. Meurs, sale crasse. Score de 4. Alors, c'est bien beau, mais le problème c'est que dès que je vais redémarrer, mon score il va disparaître. Ici, mon score va revenir à 0. Je vous montre. Hop, hop. Voilà, mon score il a. C'est dommage parce que du coup, on peut pas jouer à l'un après l'autre. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle le concept d'utiliser un fichier. Et donc, l'idée ici c'est de dire au tout début. Notre base score il vaut 0, mais s'il existe un fichier current string path égale directory.current directory, ça veut dire donne-moi l'endroit où mon exécutable est en train de tourner. D'accord? Il y aurait différentes manières d'aller le stocker à différents endroits. À ce moment-là, regarde si. Pass plus égal best score point txt. On va l'afficher pour voir où il est sauvegardé. Voilà. Si jamais directory file point exist pass. S'il existe un fichier à cet endroit-là, on va lire ce fichier-là et on va le convertir en un entier. Donc string text égale à read text. If int un entier try to parse est parsable en un entier, on va le stocker dans notre meilleur score, comme ceci. Out, ça veut dire on va stocker dans la variable quelque part. Donc, prends l'entier, passe le texte en un meilleur score, et pouf, on va le stocker. Et donc là, normalement, on devrait avoir le score précédent. Maintenant, si le fichier n'existe pas, if, else, bah, s'il n'existe pas, on fait rien. Par contre, maintenant, du coup, il faut savoir le sauvegarder. Donc, on va dire file, donc on va prendre ce truc-ci, et quand on va sauvegarder le meilleur score tantôt, là, best score égale tatata, là, on va simplement faire ceci. File.write.text. On va dire que dans le chemin qu'on a eu plus tôt, on va stocker le meilleur score.
comme ceci. Et alors ici, il me dit, moi, je dois stocker des strings, des textes, et tu me donnes un entier, ça va pas. Donc il nous faut un string, to string. Et voilà. Alors le chemin, on va le renommer, parce que c'est pas très bien le nommer comme ça. File, save, bon, bestcore, file, pass, comme ceci. Pour dire que c'est l'endroit où on sauvegarde le meilleur score. Voilà. On essaye. Donc, play. Il joue le jeu, il nous affiche l'endroit où c'est stocké. Donc ici, c'est là-bas. Là, actuellement, on va faire un meilleur score. Donc là, on n'en a pas. Voilà. Maintenant, on en a un. Voilà. Hop, hop. On va essayer d'avoir deux poids quand même. Une, deux, trois. Hop. Une, deux, trois. Ah. Voilà. On a deux scores. On a trois scores. On va se laisser mourir. Voilà. Maintenant, si je recharge le jeu. Voilà. On peut voir que le meilleur score, il est à 3 pour le moment. Tadam! On a sauvegardé le meilleur score du joueur précédent. Et donc voilà, c'était une petite introduction à C# suite à l'installation de C# pour faire un jeu en une seule dimension. Je suppose que c'était intéressant, même si ce n'était pas prévu. Je vous souhaite un merveilleux code. Voici à quoi ressemblait Visual Studio après l'avoir installé. Que le code soit avec vous. À la prochaine!